Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc là il est 9h37, j'attends DG qui ne devrait pas tarder. J'ai mal écrasé ma clope. C'est un peu sombre, hein, mais j'ai pas envie d'allumer l'anneau lumineux. J'ai pas envie de m'éblouir. Je suis déjà assez éblouissante comme ça, regardez. C'est la collection Colourpop. Oh, et Harry Potter. Oh, coup de cœur sur la highlighter. Oh. Bref. Donc là, je suis en train d'emballer mon colis vintage. J'ai fait une vente ce matin. Alors, mon petit week-end. Oh, il a été calme, mon petit week-end. Enfin, calme. Donc, vendredi... j'ai fait un peu de ménage parce qu'il faut bien que ça se fasse, ça ne se fait absolument pas tout seul, ce qui est totalement malheureux. J'ai fait un peu de ménage, j'ai mon beau-frère qui est passé avec sa chérie pour m'amener mon colis Colourpop justement. Parce que j'ai fait livrer chez eux, hein. Moi, je fais livrer en France puisque sinon les frais de douane en Belgique c'est juste pas possible. Mais juste avant il y a mon frère qui est passé. J'étais à la sieste, il est venu me réveiller, oh, bof, bababou. Quand c'est comme ça, je n'aime pas beaucoup mon frère. Donc j'ai fait ça. Alors mon frère est venu. Je lui ai montré, j'ai sorti les titis pour lui montrer que Sky était énorme. Et attendez, parce que bon, c'est une espagnole, non c'est une française celle-ci. Comment? Je dis, attends, je vais te montrer. Donc, il me dit, ah, oh, j'en reviens pas comme t'arrives maintenant à les manipuler. Ah, je dis, mais maintenant, j'en fais ce que je veux, moi. Genre, j'en fais ce que je veux. Et du coup, on a bien vu les bébés. Mais alors, bien. Ils passaient devant la poche. On a vu un petit cul rose dépasser. On a vu un petit museau aussi. On les a bien vus. Donc, mon frère était content. J'ai un carton énorme pour 2 rouges à lèvres. J'ai pas trouvé plus petit, donc voilà. Donc, mon frère était content parce que du coup il les a super bien vus, nous aussi, hein, pour le coup. Donc là on peut plus nier qu'elle est enceinte, hein. De toute façon quand on voit la bonbonne que c'est devenu, on peut vraiment pas nier qu'elle est enceinte. Je pense que cette semaine ça devrait être bon, qu'il devrait sortir. D'après les comptes que j'ai fait, si ça traîne un peu trop à sortir, c'est qu'il y a eu un souci avec la castration quand même. Si j'en ai l'année prochaine, c'est qu'il y a vraiment un gros souci avec la castration. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si c'était possible. Elle m'a dit que non, hein, la veto. Mais quand j'ai castré Kougou, pendant un mois, on devait encore les séparer parce qu'il était encore stérile un mois après la castration. Là, elle m'avait dit que non. J'avais bien demandé si c'était pareil, justement. Disons que là, ça commence à faire long. Si les bébés sortent pas cette semaine, c'est qu'il y a un gros souci de date. Hein, parce que je me base sur le jour de la castration, puisque il a pu la prendre que la veille, quoi. Là, au point où on en est, ça pouvait être que la veille. Donc, je me base sur la date de la castration pour savoir à peu près où ce qu'on en est. Et on va raconter avec, je vais raconter avec vous. Donc, il s'est fait castrer fin juillet. Ouais, le 15 juillet, donc mi-juillet. Les bébés, ils restent 2 semaines dans l'utérus. Donc, ça fait fin septembre. Et après, il reste 2 mois. Fin septembre, qu'est-ce que je dis? Fin juillet. Après, il reste 2 mois dans la poche. Donc, fin septembre, ils sont censés sortir. Le 30 max, ils sont censés sortir. Donc, ça sera peut-être que la semaine prochaine, finalement. Enfin, vous les verrez peut-être que la semaine prochaine. On fera un gender reveal. Quand j'arriverai à avoir... aller choper pour voir le sexe. Je sais pas si au début on s'est poigné dedans facilement ou pas, si la mère va laisser parce qu'on les chipote. Elle est super collante en ce moment avec moi, c'est un truc de fou, elle me lâche pas. Dès que j'ouvre la cage, elle vient près de moi, elle reste près de moi. Quand je les prends dans la poche pour dormir, ça m'a voulu les prendre samedi soir un peu sur lui. Alors elle disait rien, jusqu'à ce qu'elle voit que c'était lui et que c'était pas moi. Elle a commencé à hurler. J'ai dû la prendre et j'ai mis un quart d'heure à la calmer après parce qu'elle gueulait. Dès qu'on bougeait, elle pensait que c'était Georges qui la reprenait. Donc, je mets un temps fou à la calmer quand c'est comme ça. Georges ira. Mais, ouais, elle me lâche pas. Depuis qu'elle est vraiment bien enceinte, là, elle, c'est un vrai petit pot de colle. Shadow est plus indépendant, lui, en ce moment, alors que c'était l'inverse avant. Et là, Sky, ce qu'elle fait souvent, quand je les prends sur moi dans la poche, elle attend que je frotte le ventre. Donc, à mon avis, les bébés commencent à être vraiment un peu gros et à lui faire mal, parce que quand je lui frotte le bidon, je fais comme ça avec mon doigt tout doucement, donc en même temps je caresse un peu les bébés, donc eux ça pèse et du coup ils bougent un peu moins, et elle, je frotte aussi où il n'y a pas de bébé, justement un peu au milieu de la poche et tout ça, et je pense que ça lui fait du oui, ça lui fait clairement du bien, parce que samedi soir elle tenait mon doigt pour que je continue à frotter, donc voilà, mais du coup ça crée un lien. J'espère juste qu'une fois que les bébés seront là, ça ne va pas casser ce lien que j'ai avec elle, parce que mon frère était sur le cul quand il a vu, elle est sortie de la poche, elle s'est mise sur mon épaule, elle me faisait des gâtés et tout, il m'a dit mais c'est incroyable ce que tu arrives à en faire maintenant, c'est un truc de fou quoi. Ah, moi il me gueulait dessus moi aussi hein. C'est comme ça. Donc bah, je suis contente qu'il y ait ce lien, parce que j'en ai besoin aussi, et je pense que aussi. Donc genre ça va mieux, pour ceux qui me demandaient, il est toujours sous antibiotiques, hein, encore quelques jours, mais ça va un peu mieux, bien qu'il ne soit pas à l'école aujourd'hui, soi-disant pour une histoire de bus. Le bus apparemment n'aurait pas voulu qu'il monte dedans parce que son abonnement n'était pas passé. Je pense que comme demain c'est férié, genre je voulais gagner 2 jours de congé supplémentaires, vous voyez, enfin, au moins un jour. Voilà, mais bon, c'est Georges, je cherche pas à comprendre. Donc ensuite, ouais, donc mon frère est venu et tout ça, je me suis chopé un mal de crâne le samedi, ça a commencé fin d'après-midi, jusque, ouais, c'est passé que hier soir, j'avais mal au crâne, c'était pas un gros mal, mais j'avais cette douleur lancinante là, dans la tête qui est épuisante, du coup je me suis endormie comme un gros caca dans le canapé le soir. Mais quand je vous dis le soir, c'est je me suis endormie avant de faire à manger. Quoi. Mais bon, ça m'a fait du bien, un petit peu de repos. Et ensuite, je suis tombée sur... j'étais sur Amazon, parce que j'ai fini la série Dahmer sur Netflix, qui est bien faite par rapport à l'histoire de Jeffrey Dahmer. Je pensais que c'était un reportage, mais en fait, c'était une série. Donc, ça change un peu, c'était pas mal. Donc ça j'ai fini les Winx, donc j'étais un petit peu en pleine dépression, et je dis ben, je vais aller regarder des trucs, le spin-off série là, sur les trucs de l'anneau, du Seigneur des Anneaux, et je suis tombée sur Melrose Place. Je sais pas si vous avez connu, mais j'ai fait un sondage, il y en a beaucoup qui connaissent quand même, et du coup je suis à fond dans les Melrose Place. Voilà, ça me rappelle toute ma jeunesse, parce que c'était une série des années 90, hein, donc c'est vraiment mon adolescence. C'était en 94, je crois, possible. Je ne sais plus. De mémoire comme ça, je ne sais plus. Donc c'est un spin-off de Beverly Hills, hein, mais j'ai adoré cette série, et là je suis bien contente de les retrouver, parce que bah, vraiment ça me rappelle ma jeunesse, quoi. Et c'est chouette. Donc j'ai fait ça, le soir j'ai regardé Melrose Place, et j'ai raté Danse avec les Stars. Ouah, j'étais dégoûtée. J'ai oublié, totalement oublié. En même temps, comme j'étais pas bien, j'ai oublié. Et d'ailleurs, on discutait avec mon frère, on en parlait dans le live la dernière fois, là, on en parlait aussi, qu'on se demande vraiment ce que Bilal fait là en tant que juge. Après, j'aime beaucoup sa façon de parler aux gens, il est doux et tout, il est agréable à écouter, hein, je peux pas dire le contraire, je l'aime bien, hein. Mais pour moi, c'est pas un professionnel de la danse, il a rien à foutre là en tant que juge. Limite, ça aurait été mieux qu'il le mette en co-présentateur, je trouve. Vous voyez, qu'il interviewe, lui, ceux qui sont en sellette et tout ça, là... Je trouve qu'il aurait été mieux en co-présentateur avec le Camille qu'en juge. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais je dis quand même que c'est pas un professionnel qui peut se permettre, c'est pas parce qu'il a fait une saison de Danse avec les Stars qu'il peut se permettre de juger les autres. J'avais déjà pas aimé quand ils avaient mis Shine, bien que elle ait quand même des bonnes bases de danse. Elle a fait beaucoup de travail avec des chorégraphes réputés et tout ça, comme Camel Wally, la fois la fille de Turner, je sais plus comment qu'elle s'appelle, mais non, Mia Fry. Mais je trouve pas que ça fasse d'eux des professionnels de la danse au point de pouvoir juger la technique. Ils jugeraient que l'artistique à la limite, mais de juger la technique des gens, je trouve qu'ils sont mal placés pour juger, parce qu'ils ont, surtout Bilal, il a appris que l'année dernière la technique de danse de salon, donc voilà, ça fait pas de lui un juge. Après, heureusement, il est là parce qu'il rehausse un peu les notes de Chris Marquez. Hein. Bref. Le dimanche, j'ai fait du montage le matin. J'ai tourné la vidéo que vous avez eue lundi sur la berry de Beauty Bay. J'ai vite fait un petit accessoire pour mes vidéos d'Halloween. Et après, on a été à l'anniversaire de ma mère. Donc, manger chez ma mère pour son anniversaire. On n'était que nous quatre. J'ai encore mangé comme une cochonne. J'avais mal à l'estomac après. Je suis rentrée, j'ai refait du montage parce que j'avais pas mal de montage en retard et vu la charge de travail que je me fais, moi là, que je me mets sur le dos en ce moment, je voulais prendre de l'avance pour mes vidéos pour pouvoir vite tourner les vidéos d'Halloween et au final, je viens de remettre une semaine qui va arriver pour vous seulement, d'une semaine de vidéos parce que j'ai fait un gros craquage, comme je vous l'ai dit la semaine dernière. D'ailleurs, vous n'avez pas trouvé la marque. Oui, je suis contente. Je peux vous le dire maintenant puisque la vidéo, la première sort mercredi. J'ai fait une big commande sur Jolie Beauty. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, Internet, Google est votre ami. J'ai fait également l'intro, outro, toutes mes intros, mes intros et l'outro d'Halloween. Il y a combien de vidéos d'Halloween? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, ça commence le 21 avec le trailer. Et encore si j'ai le courage de le faire. Donc jusqu'au 31, ce sera le dernier make-up. Plus les deux vlogs que je vais mettre l'intro d'Halloween aussi, puisqu'ils sortent entre les vidéos d'Halloween. Donc voilà, bon, sinon... en make-up, vous en aurez 7, comme l'année dernière, tout simplement. Sauf que là, il y a les deux vlogs en plus, et la tenue que je vais commencer à coudre aujourd'hui. Je voulais le faire hier en rentrant, mais j'ai pas eu le temps, parce que du coup, j'ai perdu du temps avec le montage de mes vidéos en retard, et tout ce qui était pour Halloween. J'ai filmé aussi les swatchs de la Colourpop que j'ai utilisé aujourd'hui, que vous aurez mardi, pour prendre de l'avance, pour pas être trop à la bourre aujourd'hui, puisque aujourd'hui, comme il y a des vies qui vient, je voulais vraiment filmer avant qu'elle arrive, pour être tranquille après, parce que après, quand elle repart, j'ai plus le courage de filmer, quoi. Vous voyez. Donc voilà pour ça. J'ai aussi ce matin filmé le début de la vidéo upcycling de la prochaine. Donc je vous montre les tenues que je vais transformer, donc je vais pouvoir faire ça aussi une fois que j'aurai fini ma tenue d'Halloween, je pense, pour jongler un peu si je stresse un peu sur la robe. Donc voilà pour mon petit week-end, et cette semaine, il n'y a rien de spécial de prévu à part j'attends mes commandes, puisque j'ai deux commandes Jolie Beauty, parce que j'en ai fait deux vu que j'ai commandé... le cadeau des filles en même temps, le cadeau de Noël des filles. À la base, j'ai commandé le cadeau de Noël des filles et j'avais craqué pour me prendre une palette aussi. Et puis, comme j'avais un bon de 15%, j'avais un code promo de 15%, et que je me suis dit, chier, c'est quand même des marques que je veux tester depuis longtemps. Il y a une palette notamment dedans qui me bottait bien et deux autres qui me tentaient bien aussi. Donc, j'ai dit, allez, prends au moins les trois que t'aimes bien. Et c'est pas pour une fois que je claque autant d'argent, parce que bon, les palettes sont quand même à 50 balles, hein. Sauf une qui est en promo à 35, et j'ai pris des rouges à lèvres aussi pour avoir les frais de port gratuits, puisqu'ils étaient à 2,90 €, ils étaient en promo à moins 80%, donc il y en a qu'un qui n'était pas en promo, mais c'est un que je voulais vraiment, mais de toute façon, même si je prenais tous les rouges à lèvres qui étaient en promo, j'avais pas assez pour les frais de port, donc j'ai pris... qui me bottait vraiment bien. Il reste une palette que j'ai pas achetée sur les 4 qui me plaisait vraiment bien parce que c'est des teintes un peu plus basiques, un peu plus nude. Mais si la qualité me plaît vraiment bien, je pense que je me la prendrai quand même pour compléter la collection de ces petites palettes là. Voilà, on verra bien. Je verrai pendant le Black Friday, hein, on y est presque là. Enfin, presque. Ouais. Oui, c'est bientôt. C'est en novembre. C'est en octobre, non, non c'est en novembre, hein, c'est le 31 novembre le Black Friday. Je sais pas, je verrai bien. Ou quand j'aurai une bonne ristourne, ou si elle est en promo. Donc voilà pour ça. Cette semaine, donc, j'ai pas grand chose à faire avec vous. J'attends mes commandes. Il y a une commande Shein aussi que j'attends, enfin deux commandes d'ailleurs. Et on va faire les deux accessoires d'Halloween aussi qui me manquent. Il faut que j'aille chercher des branches dans le jardin pour en faire un, parce qu'il faut qu'elles aient le temps de sécher un minimum. Et là, quand je vois le temps, j'ai pas envie de sortir. Mais il pleut pas, hein, mais il y a du vent et il fait tout gris. Je sais pas, j'irai peut-être après quand DJ sera parti. Donc ça, on fera ensemble les deux accessoires d'Halloween. L'autre, je vous montre pas pour pas tout vous spoiler. J'ai plus de batterie, donc je vais devoir vous laisser. Et c'est à peu près tout ce qu'on va faire cette semaine. Ah oui, et pour le cadavre qui a été retrouvé près de chez nous, il n'y a toujours pas d'informations. Ils ne savent toujours pas identifier, puisqu'il reste que le tronc en fait, hein. Il manque les bras, les jambes et la tête, voilà. Apparemment c'est une jeune femme, ils pensent que c'est soit une prostituée, soit une immigrée clandestine, enfin une sans papier quoi. Il y avait deux tatouages, donc ils ont posté photos des tatouages pour essayer que des gens puissent l'identifier. Et il y a également apparemment, d'après ce qu'Enzo me disait, qu'avec ses implants mammaires, ils peuvent retrouver qui c'est. Donc j'espère qu'au moins elle sera identifiée et qu'ils retrouveront vite la personne qui a fait ça, parce que c'est un truc de fou, quoi. Et il y a eu un autre cadavre de retrouver un tout petit peu plus loin encore une fois sans tête. Mais c'était un homme de 35 ans qui apparemment était là depuis très longtemps dans la forêt, qui s'était suicidé. Donc au départ, ils pensaient que c'était carrément un tueur en série, parce qu'il y a 3 cadavres qui ont été retrouvés dans la région. Un en Belgique aussi, mais on n'en sait pas plus. Donc ça parle quand même de tueur en série. Donc là, j'ai dit au garçon, vous sortez plus, et la copine d'Enzo ne vient plus pour l'instant pour repartir très tôt le matin toute seule jusqu'à la gare, parce que c'est trop loin et on ne sait jamais. Hein. Donc voilà, donc on est un peu tous sur les nerfs, on a envie de savoir parce que on espère que c'est un cas isolé et qu'ils vont vite l'arrêter, déjà pour qu'il soit puni, mais aussi pour nous rassurer nous en nous disant on craint rien, c'est nos enfants qui sortent quoi. Ouais. Voilà, bon écoutez, j'ai plus de batterie, donc moi je vais attendre des J, maintenant je vais faire mon petit pipi d'abord. Bon finalement je vous reprends 2 petites minutes, il est midi, moins 4 mais il est quasi midi, je vais aller manger, j'ai faim. J'ai faim. Je vais me faire des petits crocs, monsieur. Je suis gelée. Je viens d'éteindre le poêle, je suis gelée. DG vient de partir et elle m'a ramené des petits cadeaux. C'est trop mignon. C'est tout pour la couture. Elle m'a ramené 2 jeux d'épingles comme ça. Elles sont trop belles. Voilà. Donc je penserai à elle à chaque fois que je vais épingler. Donc elle a trouvé tout ça en Lidl côté français. Et comme je vais jamais chez Lidl, j'aurais jamais pensé à trouver ce genre de truc là-bas de toute façon. Elle m'a ramené des crayons et des craies de tailleur, 4 pièces, donc il y a 2 crayons et 2 craies carrées comme ça. Donc ça c'est bien parce que c'est hyper précis pour tracer droit. C'est génial, c'est génial. Et donc vous avez la blanche pour les tissus foncés et la bleue pour les tissus clairs. Et un lot d'élastiques comme ça, de 3 tailles, avec le passe élastique. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne le passe élastique. Ruban élastique, ouais. C'est bien parce que les épingles c'est un peu chiant, ça fait mal les doigts si elles s'ouvrent. Donc ouais, vous clipsez l'élastique dedans. Après il faut pas que ce soit des ourlets trop larges non plus. Enfin, des ceintures trop larges, voyez. Mais franchement c'est bien. Je sais pas s'ils expliquent comment l'utiliser. Trois mètres d'élastique. 8 mm, 3 mètres de 6 mm et 2 mètres de 13 mm. C'est top. Oui, il n'explique pas trop, mais ça fonctionne comme je pense que ça fonctionne. Vous passez votre élastique ici pour le tenir et vous enfilez ça dans l'ourlet. Mais bon, faudra, enfin dans votre ceinture, il faudra que je pense à les faire assez larges pour que ça passe. Et ça m'arrangera parce que la dernière fois, je l'avais fait trop étroit pour le petit élastique. Donc, voilà. On va juste vérifier si ça tient bien l'élastique. Bon, tant qu'à faire. C'est génial, en plus les élastiques, j'en ai jamais assez. Bon, déjà, j'arrive pas à le faire rentrer dedans. Voilà, c'est des petites attentions qui touchent tout le temps. Ça fait vraiment plaisir. Moi, je lui ai fait un petit porte-monnaie avec le tissu de la jupe à chevron là que j'avais fait parce qu'elle avait craqué sur le tissu. Et c'est tout ce que j'aurais pu faire en plus parce que j'avais pas beaucoup de tissu déjà de base. Donc je lui ai fait un petit porte-monnaie. Elle était contente aussi. J'aime bien faire des petits cadeaux comme ça à mes amis et à ma famille. Ma mère aussi, j'ai offert pour son anniversaire, bon, j'ai offert un cadeau, hein, mais je lui avais fait un petit porte-monnaie, une petite pochette pour son téléphone, et puis des petites décos à suspens. Mais elle était touchée, ça lui a bien plu aussi. Ah non, te casse pas, reste ici. Ouais, par contre, il est dur à mettre dedans. Mais ce sera plus facile à enfiler après dans la ceinture. Bon, bon, je pense que ça tiendra bien parce que déjà là ça tient bien. Je suis trop contente. Voilà. C'est con, hein, mais je suis contente. Merci Matichi. Voilà, voilà. Bon, allez, sur ce, moi je vais aller manger, me démaquiller et aller me coucher un peu parce que j'ai froid et je suis fatiguée. Et après j'aimerais bien attaquer ma couture d'Halloween. Je viens de prendre mes mesures pour le haut et je viens d'avoir une idée. Il faut que j'aille voir si j'ai le matériel nécessaire pour faire ce que j'ai en tête. Donc j'allais faire ça aussi, tant que mes croque-monsieur je cuise. Ouais. Bon, allez, maintenant, cette fois-ci, on suit le jour. Alors, il est... Chérie n'a pas rangé son panier de linge. On le tape tout de suite ou on attend? Il est 10h08, j'attends le facteur, je viens d'aller filmer cette vidéo. Oh, c'est à 8h. Oh. Je vous montre ma tête tant que je suis potable, parce que là, je vais tout de suite me décoiffer, rattacher mes cheveux et mettre quelque chose de plus chaud, donc c'est-à-dire mon pyjama. Je vous reprends après, une fois que le facteur est passé, il m'amène un colis Shein sur les deux. Le deuxième que j'ai commandé, je comprends pas. Mais du coup, c'est principalement des faux ongles. Là, c'est que des faux ongles d'ailleurs. La deuxième commande, c'était que des faux ongles, et l'autre, c'est quasi que ça. Sauf du backup du baume démaquillant, du fond de teint et une paire de chaussettes. Tout le reste, c'est des faux ongles. Et du coup, je vais en mettre ce soir parce que là, celui-ci part en cacahuète. Ça a déjà repoussé. C'est une maison qui pousse beaucoup trop vite. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Après, je vous reprends pour faire le DIY pour le truc d'Halloween qu'il me faut avec les araignées. Donc je vais vous montrer comment faire des petites araignées avec un pistolet à colle. Je vais essayer, hein. Je ne sais pas si je vais y arriver. Hier j'ai fait le bustier pour la robe d'Halloween et oh my god, enfin pour la tenue d'Halloween, oh my god, je suis totalement fan. Je suis fan du modèle, mais en plus le tissu, je pense que j'aurai assez pour me refaire une jupe croisée comme je vous ai montré dans le dernier bilan couture que j'ai fait en daim. Je vous remets le bilan couture en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Je pense que je vais la faire avec celle-là. Et comme je vous avais dit que je voulais faire avec un bicolore, je vais essayer de trouver un tissu noir. Je dois en avoir quelque part. Hein. Et j'aimerais bien trouver aussi un t-shirt noir que je puisse récupérer pour faire des bandes sur le côté pour qu'elles soient un peu plus élastiques, pour avoir plus facile à rentrer mon cul dedans. Parce que celle en daim, c'est compliqué. Vu que le tissu là, il n'est pas élastique non plus. Donc on fera ça après, j'ai préparé ce qu'il me fallait pour faire ça et pour refaire maison tout à l'heure. J'ai beaucoup de montage, j'ai 3 ou 4 montages à faire, donc je pense que je vais passer une bonne partie de ma journée à faire ça. Après il faudrait que j'attaque la jupe de la tenue d'Halloween. Je me demande si je vais pas faire un peu de upcycling d'abord, puisque la vidéo sort avant. Je sais pas trop comment j'ai goupillé ma journée, je vais voir. Donc aujourd'hui ça met en congé, c'est un jour férié à l'école. Enzo est pas au boulot, il est malade. Et Chérie, sa collègue a le Covid. Et comme ils ont passé la soirée du jeudi tous ensemble au foot, il va devoir faire un test je pense. Bon à mon avis il l'a déjà fait au boulot et c'est négatif puisque sinon il serait déjà rentré je pense. Je sais pas. Mais voilà. Alors hier... Encore un big craquage. C'est de la faute de Manon. Je vous mets sa vidéo en barre d'infos. Elle a fait l'unboxing du calendrier Baléa, donc c'est la marque de cosmétiques de chez DM en Allemagne. C'est une boutique que moi j'ai été qu'une fois et qui ont des très bons produits soins de la marque Baléa, hein, de leur propre marque, un peu comme Max & More chez Action. Enfin, quoi que Max & More c'est une marque à part que fournissent. Mais enfin voilà, vous avez des marques comme ça qui font leur propre gamme, comme chez Crotevaz par exemple. Et elle a unboxé le calendrier. Alors, non seulement le calendrier est magnifique, les produits sont canons, les packaging des produits sont vraiment magnifiques, et en plus, il était super complet et intéressant. C'est que du soin. J'ai la tête qui tourne d'un coup là. C'est que du soin. Donc, c'est que des petits formats, un peu comme le spa de chez Action. Donc, je vous mets cette vidéo en barre d'infos si vous voulez aller voir le unboxing. Rien qu'aller voir les packaging, ça vaut le coup, quoi. Voilà. Mais du coup, c'est un truc qu'on trouve à 15 € chez DM. Mais après, l'Allemagne, c'est pas juste à côté non plus. C'est pas hyper loin, mais c'est pas juste à côté non plus. Et elle l'a acheté à 25 € sur un site allemand. Donc, je l'ai commandé là aussi. Mais bon, il y avait 5,95 € de frais de port en plus. Et 3 € je crois, en plus. Parce que j'ai payé Klarna. Voilà. Mais ça revient, il me revient 30 €, on va dire, en gros. Donc, le double du prix que si j'avais été en Allemagne. Mais bon, si j'avais été chez DM, de toute façon, je m'en serais pas sorti pour 30 balles non plus, hein, plus l'essence, vu le prix de l'essence. Mais du coup, ça revient à 1,72 € le cadeau. Donc ça va, ça reste hyper correct, quoi. Mais j'ai vraiment craqué dessus. Donc du coup, voilà, big craquage encore une fois. Il faut vraiment que je me calme, là. Il faut que je me calme. J'attends le W7 et les Glam Shop. J'ai pu avoir de budget pour me les acheter, quoi. Enfin, le W7, c'est Chérie qui me l'offre. Mais au bout d'un moment, il va falloir que je me calme là, parce que j'ai clairement abusé ce mois-ci, hein, j'ai explosé mon budget, quoi. Donc voilà, bref. Donc si je l'ai reçu avant le haul, je vous montrerai dans le haul. Si je ne l'ai pas reçu avant le haul, je vous montrerai en vlog quand je l'aurai reçu. Mais si vous ne le voyez pas dans le haul vendredi, vous le verrez que dans le vlog prochain, puisque c'est que je l'aurai que la semaine d'après. Normalement, je reçois Jolie Beauty, je reçois jeudi les deux colis. Aujourd'hui je reçois un Shein et je pense que demain j'aurai l'autre, puisqu'ils sont partis en même temps. Je comprends pas pourquoi ils arrivent pas en même temps d'ailleurs, mais du coup j'aurai tout reçu, à part il manque plus que le calendrier après. Donc, mais elle l'a reçu en 2 jours je crois, donc je vais voir quand j'aurai le lien. Sinon au pire je vous afficherai une photo pendant le haul, comme ça je peux reparler de la vidéo de Manon pour que puisse aller la voir et lui faire des vues, puisque maintenant elle est monétisée, donc on lui fait des vues, on regarde ses pubs, on lui met des likes, des commentaires, on s'abonne et tout, et voilà. Donc je vous mets sa vidéo unboxing du calendrier de l'Avent en barre d'infos. Donc sur ce, moi je vais dérusher, je vais préparer ce qu'il faut pour faire mon petit bricolage, et je vous reprendrai sur la table ça à manger au téléphone pour faire ça avec vous. Et voilà, donc à tout de suite. Bon, voilà, j'ai à peu près tout ce que j'ai besoin. Donc, j'ai imprimé une toile d'araignée. Je l'aurais voulu un peu plus grande. Je me suis un peu trompée, mais c'est pas grave. J'ai pris une feuille de papier cuisson. Mon serre-tête, que je colle toutes mes décos dessus. Hein, mais là, c'est juste pour avoir la forme du serre-tête. Je pense que je les collerai dessus après. Oh non, je vais peut-être les coller tout de suite. Donc, pistolet à colle, bien évidemment. De la colle, bien évidemment. J'ai quand même pris des petits strass orangés, on verra si on les utilise. Alors, des baguettes, j'ai pris des plus petites, des baguettes à brochettes comme ça. Des cure-dents, mon petit scotch comme ça pour coller, pour pas que ça glisse. Et je vais peindre les araignées parce que j'ai plus de bombe noire. Donc la toile, je vais la bomber en doré. Je vais les vernir en noir et mettre du top coat dessus. Donc il me faut la lampe UV qui est là-bas aussi. Voilà, là on va commencer par la toile d'araignée. Donc je l'ai imprimée pour qu'elle soit symétrique, parce que j'ai un gros problème de symétrie quand je fais quelque chose. Donc on va quand même essayer qu'elle soit légèrement symétrique. Donc je vais scotcher mon papier pour pas qu'il bouge. J'ai la colle qui chauffe mais qui met un certain temps. Ici, je vais coller comme ça, ça bouge pas de la table non plus. Et je vais également scotcher le serre-tête bien centré, CX bien centré, pour pas qu'il bouge non plus. Je suis en train de manger du scotch et puis la 5. Alors, est-ce que t'es chou, toi? Ça a l'air. Je vais déjà remettre une tige de colle dedans parce que sinon, autant que ça fonde, il y en a pour 15 ans. J'ai des poils dessus. Ryan est en train de muer de nouveau. C'est extrêmement chiant. Voilà, donc je pense que je ne vais pas faire la hauteur des baguettes. Non, je vais les casser en deux. Voilà, alors ici je vais les raccourcir quand même. Ouais, attendez, il me faut une pince coupante. Et je vais faire deux plus petites ici. Qui partiront comme ça. Voilà pour les branches de la toile d'araignée. Donc on va commencer par les coller sur le serre-tête. Donc je fais une bouboule de colle. Donc je le mets quand même à plat, sinon la toile d'araignée ne tiendra pas après. Donc bien sûr, il faudra enlever tous les petits fils après. C'est ça qui est extrêmement chiant avec la colle chaude. Ça vous spoil quelques vidéos d'Halloween quand même, hein? Je crois que cette semaine, j'aimerais essayer de vous montrer un peu les bébés qui bougent dans le ventre de Sky aussi. Et si vous n'avez pas de papier cuisson, vous prenez les pochettes en plastique d'école là, pour les classeurs. Ça fonctionne très bien. C'est juste pour éviter que ça colle, que quand on l'enlève, ça s'arrache. Donc là, je vais sécuriser le tour. Une fois que ça sera bien sec, il faudra sécuriser de l'autre côté aussi, sinon ça risque de partir en cacahuète à l'arrière. Il faut un petit paquet ici. Alors oui, il faut de la patience. Hein. Voilà. Alors maintenant, je vais faire les vaguelettes de la toile d'araignée. Je vais essayer de le faire pas trop épais, mais ça va pas être évident. Après, il faut quand même que ça se voit sur la tête. Ah putain, mon col ne pense plus. Donc j'appuie à chaque fois que j'arrive sur une baguette. Pour essayer de garder la forme bien arrondie, c'est pas évident, mais on fait ce qu'on peut. Surtout qu'en appuyant, ça me fait mal, donc je tremble. Après, je me serais moins pris la tête si j'en avais acheté un chaque soir. On les décore. Mais c'est moins amusant. Alors ici, je vais les tirer jusqu'au serre-tête pour que ça tienne. Je regarde que ce soit à peu près bien partout. Voilà, là, je pense qu'on est pas mal. Donc, on va laisser sécher cette partie-là. Donc ça, j'ai plus qu'à le bomber en doré. Ouais, je vais pas faire plus haut, de toute façon ça se verra pas trop sur la tête, donc ça sert à rien, peut-être que je couperai les extrémités, là je sais pas. Donc je vais enlever ces scotch là. Puisque j'ai plus besoin de la feuille. Je vais prendre l'autre côté de mon papier. Et on va faire quelques petites araignées. Donc là, je prends mon feutre noir. Je prends un capuchon d'une lotion, d'un spray, n'importe quoi. Et je vais juste faire des boules. Enfin, des ronds. Je fais des boules après, mais d'abord je fais des ronds. Alors je ne vais pas en faire de trop, parce que comme elles seront quand même assez grosses, il n'y a pas besoin d'en faire de trop. Donc je pense que je vais en faire 5. Voilà pour ça. Alors, j'avais préparé mes petits cure-dents. Bon, les araignées, normalement, ça a 8 pattes. Et j'arriverai pas à en faire 8. Hein. On va en faire 6. Donc, j'ai coupé mes cure-dents en deux. Ça sera même trop grand, je pense. Après, je n'arriverai pas à les casser. Ouais, non, je vais couper un peu moins que... Je vais essayer de faire des tiers, mais je ne sais pas si j'arriverai à les casser en deux. Ah si, mais ça casse entièrement. Eh merde. J'aimerais bien juste un petit peu les plier pour faire les pattes qui font comme ça. Mais ça n'y va pas. Faut que je trouve une autre solution. Ici, voilà. Là, j'ai réussi. Donc je mettrai les pattes après comme ça. Il faut que j'arrive à les plier toutes comme ça. Donc je prépare mes petites papates. Il m'en faut là au moins 6 déjà. Ça va être tendu du ciboulot. Hop. Voilà, j'ai préparé 6 papates. J'en ai bien 6. Non, j'en ai 5. J'ai pu compter. Donc les autres, je les ferai pas avec vous. Voilà. Bon, il y en a qui sont plus grandes que d'autres. Mais on s'en fout. Alors, je vais commencer par remplir mon rond de colle. Donc, je sais que ça fasse une boule assez ronde. Voilà. Oups, je vous ai fait bouger, je crois. Et avant que ça sèche, si mon truc veut bien tenir, non, je veux pas. Je mets les petites papates de chaque côté. Bon, normalement, les arachnides, c'est 8 pattes. Hein, mais... Ah merde, bon, bah, tant pis pour une patte cassée. Ah bah, 2 pattes cassées. Voilà. Et j'en remets un petit peu par-dessus pour être sûr qu'elle tienne. J'attends un petit peu que ça prenne forme, que ça tienne, que la forme reste comme ça. Et on va faire une petite tête. Voilà, je crois que c'est bon. Il aurait fallu de la laine noire pour faire les pattes, ça aurait été bien ça, mais j'en ai pas. Et voilà, donc je vais en faire 4 autres. Quand elles seront bien sèches, je donnerai donc un coup de vernis, c'est du noir, hein, tout ce qu'il y a de plus basique. Je ferai des yeux, voilà, c'est assez épais, donc ça prendra encore un petit peu de forme. Avec un top coat dessus, sinon ça va être collant. Sur le... Je ferai les petits yeux aussi, mais je pense que je vais essayer de trouver des tout petits strass orangés pour faire les yeux. Je verrai bien si j'en trouve, sinon je les ferai avec une petite pointe de vernis. Et celui-ci, ben, j'ai plus qu'à le bomber en doré, et ensuite je collerai les araignées dessus, mais 5 ce sera beaucoup trop. Je crois que je vais en faire que 2 finalement, parce qu'elles sont énormes par rapport à la taille de la toile. Donc ouais, je vais en faire que 2, ça ne sert à rien d'en faire plus, j'en mettrai une ici et une par ici. Donc je les collerai avec la colle chaude et notre accessoire sera terminé. Donc là je peux le décoller, normalement c'est déjà bien sec. Comme ça je vais pouvoir aller le bomber. Voilà, donc je vais regarder pour enlever tous les petits fils maintenant. Donc ça vous tirez simplement dessus, hein, c'est pas bien compliqué. Et je vais, oh, quoi que ça a l'air de bien tenir, donc j'ai même pas besoin d'ajouter des choses dessus, c'est bien. Avec la bombe, ça tiendra encore mieux. Ça va durcir la bombe. Donc voilà, il faut juste bien enlever tous les petits fils, sinon ça fait des gouttelettes pas très jolies. Si on a que vous n'arrivez pas à choper, vous prenez une pince à épiler. Et voilà, il faudra juste... Ouais non, même pas, j'allais dire que j'égalise à certains endroits, mais elle est belle. Ouais, je suis contente. Donc voilà ce que ça donne. Et puis bah, je vous montrerai demain le résultat final. Demain ou après-demain, hein, suivant quand est-ce que j'ai terminé. Là, je vais aller le bomber en doré. Comme ça, il a bien le temps de sécher tranquillou bilou. Et voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, on peut switcher de jour. Alors, il est 10h23. Je l'ai... Mais quand je vous dis gelé, c'est gelé. J'ai éteint le poêle pour économiser le poulet vu le prix. Il faut que j'envoie un message à Chérie. On n'a plus de poulette pour le chien. Alors, hier soir, j'ai collé des faux ongles que j'ai reçus de chez Shein. Donc j'ai mis ceux-là, ils sont très beaux. Et ce matin, j'ai mis du vernis noir sur le pouce, sur les 2 pouces. Hein. Pas moyen qu'ils tiennent. Je comprends pas. J'ai déjà eu le souci avec mes petits doigts. Mais là, ça va. Ce matin, j'ai réussi à les faire coller. Mais les pouces, ils veulent pas tenir, quoi. Mais moi pas tout comprendre, donc j'ai mis du vernis noir, ça passe crème, voilà. Un titi cabois. Ce matin, sortie des titis, petite activité du matin, petite promenade du matin. Toujours manger des verres, et puis il joue pendant une demi-heure, une heure, ça dépend. Et Ryan est venu tout près, il est en train de jouer dans les tiroirs, et Sky, elle lui a niaqué le nez. C'était violent. Et du coup, le chien, il a été se cacher. Voilà. Cherchez l'erreur. Hein. Le chameau qui se cache derrière un titi. Si vous entendez du bruit, c'est le mazout. Le voisin se livrait du mazout. Alors là, j'attends mes commandes Jolie Beauty. Je les reçois aujourd'hui. Donc du coup, je vais aller filmer le haul après. Je me suis remis toufflée en attendant hein, parce que j'ai beaucoup trop froid. Il me manquera juste le calendrier de l'avant Baléa. Mais... j'ai pas de nouvelles. Je disais, c'est quand même bizarre. En plus, c'est avec Postenel, donc chez eux, c'est rapido. Une fois que l'étiquette elle est faite et que le colis est déposé, le lendemain, vous l'avez. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que je vais avoir. En plus, j'ai passé commande en tant qu'invité, donc je sais pas me enregistrer sur le site pour vérifier ma commande. Et j'ai supprimé le mail de confirmation. Et en plus, pour une fois, j'ai pensé à vider ma poubelle parce que j'avais plus de 1000 messages dans ma corbeille de messages. Vous voyez ? Donc je vais attendre. Alors, mon petit DIY couronne hier, enfin araignée hier, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien, mes araignées sont plutôt réussies. Hein. Donc j'ai quand même mis quelques petits strass orangés, et voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est beau, hein. Voilà, et ça coûte rien. Donc j'ai fait celui-là, il m'en manque un que je pourrais faire avec vous, mais il faut que j'aille chercher des branches dans le jardin, et comme il fait un temps... Et je voulais y aller hier parce qu'il y avait du soleil, je dis ah ben j'achève ce que je fais et j'y vais, et juste quand j'ai fini ma phrase, il s'est mis à doucher, mais quand je vous dis doucher, c'est doucher, voilà. Hier j'en ai profité pour refaire mon petit truc d'épingle, donc du coup je l'ai mis par-dessus mon petit pot où j'utilise les pinces, là. Et voilà, j'ai juste fait un coussin avec des chutes de tissu et la bourre, c'est le tissu que je découpe là. Et du coup, j'ai mis les petites épingles que m'a offert DJ. Donc voilà, j'utilise moins d'épingles que les pinces, mais j'en ai quand même besoin. Donc comme ça, j'ai tout à portée de main. Je vais essayer de sortir les titis après pour vous montrer le ventre de Sky. Elle gueule sur les pieds. Donc je vais recycler un ancien accessoire, mais ça j'avais acheté, hein. Donc c'était celui que j'avais fait le Sugar Skull avec, je vous remets en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vu. Je vais couper le tulle et les rubans et je vais juste garder les fleurs, parce que je pense que ça peut être bien pour un des thèmes que j'ai prévu. Donc dites-moi en commentaire si vous vous doutiez du thème. Et du coup, je vais vous montrer. Je pourrais me resservir de la dentelle en couture. Ah, il y a une eau qui descend, il doit aller chez le médecin. Bonjour mon petit rayon de soleil. Tu viens dire bonjour les gens, ça fait longtemps qu'ils t'ont pas vu. Hein? Tu viens dire bonjour les gens, ça fait longtemps qu'ils t'ont pas vu. Tu crois que tu viens de dire quelque chose, toi, aujourd'hui? Bon anniversaire, mon chéri! Première fois que tu oublies. Oh, bon anniversaire, mon petit cœur! Et ben, vous voyez ça, Baléa Tune ici. Et le pire, c'est que je l'ai dit à Sam ce matin, t'as pas oublié l'anniversaire de ton frère, au moins. Sam, il m'a fait un vocal et tout, direct. Donc je le rappelle à ton frère et puis après j'oublie, mais c'est de ta faute. Tu t'es pas levé. Bah oui. Viens. Tu... Il y a quelque chose que tu veux pour ton anniversaire parce que j'ai pas d'idée moi. Moi je pensais demander à tout le monde de l'argent et m'acheter un nouveau téléphone. J'ai le micro pété et ça craint un peu. Bah si c'est vraiment pour t'acheter un téléphone, oui. Bah si tout le monde met ensemble, je vois pour m'acheter un téléphone. Tout le monde qui bah, peut-être voir avec mamie, même voir. Ouais. Je sais pas, moi par un, j'en sais rien. Ouais, donc ça urge pas, ça peut attendre quelques jours. Oui, oui. Parce que... Faut... Ah d'ailleurs, faut que je vérifie si papa a eu la paye. Moi je vois rien de très utile. Bah, c'est pour ça que je préfère te demander, sinon tu auras le même cadeau que d'habitude. D'accord. Chaque année, il a le même cadeau. Bah, une boîte de tabac et ta recharge de téléphone. Bah, ça sert à rien. Je m'achète mon tabac. Bah, ça te fait des sous d'économie. Au final, wow, c'est pareil. Voilà, ça me servira pour autre chose. Nice. Bon, là, la difficulté, je vais plus avoir le temps. Voilà, je sais pas encore si... Je crois que c'est peut-être un peu trop froufrouteux. Froufrouteux. Non. Finalement, je mettrai pas ça. Ça donne pas ce que je pensais que ça allait donner. Trop épais? Ouais. On va retirer des pétales. Ça fait froufrouteux. Ça fait froufrouteux, on est d'accord. Ça fait trop épais, ouais. Ça, je te dis, rage de pétale. Ah, vous remettez pas, vous deux, là, putain. Putain, ce matin, connerie sur connerie encore. Eh ben oui, je suis descendu griller un petit bout, là, putain. Oui, d'ailleurs, range ton cacao que tu n'as pas rangé hier soir. J'étais déjà là hier soir. Ah bah, il n'y a que toi qui en bois du cacao. Non, non, Sam. Sam, il en boit pas. Oh, si, si, si. Ah, essayez pas de vous couler. Sam, il en boit pas. Oh, ça, c'est du mytho. Sam, il carbure avec mon café froid. Ouais, ça dépend des moments. Ça aussi, je vais pouvoir recycler. Vous avez vu ce que je vis, moi, tous les jours avec ces gosses-là? Je suis en train de vous garder avec moi pour rien, là, en fait. Hein. Je tape la Cosette à Indo. C'est lui qui est chiant aussi, il se lève quand je vlog. Je chope les titis. Thank you. Oh, c'est quoi ce gros bidou? Tu vas râler, hein. Oui, hein. T'aimes pas que je te réveille à cette heure. Non, hein. J'ai oublié mes lunettes. Ah, mais ils sont sortis. Où je rêve? Ah, il est dehors. Ah, petit bébé. Oh, il est le petit bébé, c'est maman. Regarde. Ah ouais. Oh, le petit bébé, il était dehors. Bah, me mords pas. Il est tout petit. Mange pas mes doigts. Oh, le petit bébé. Mais essaye de retourner dans la poche. Oh, il était sorti. Oui. Oh, c'est bien, ma nénette. Téléphone, sécurité électronique. Bon, attendez, je vous prends au téléphone. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Donc là, c'est notre maman Sky qui vient d'avoir un petit bébé. Ah, on fait le focus. Bon, on voit pas sa tête, hein, du coup, parce qu'il essaye de retourner dans la poche. Oh, ma petite nénette. Oh, c'était petit bébé. Oui. Oh, ma mémère. Oh, ben alors, il était où, petit bébé? Montre, petit bébé. Il est où, petit bébé? Non, il fait pas bien le focus, c'est chiant. Mais, fais le focus. Lève ta queue. Montre à maman. Il y en a qu'un? J'en vois pas d'autres, hein. Je sais pas s'il y en a encore un dans la poche ou pas. Ben, vous avez de la chance, là, du coup, vous le voyez bien. Donc, je reprends pas longtemps parce que j'ai plus de batterie. Il faut absolument que je cherche ma batterie. Voilà, Enzo est parti chez le médecin. Et voilà. Donc, du coup, vous avez vu le bébé. Je m'attendais pas à celle-là, quoi, parce que je l'ai jamais vue dehors. On voyait de temps en temps une petite queue, une petite patte, un petit museau. Mais entièrement dehors, comme ça, on l'avait jamais vu. Donc, vous avez la primeur. Et comme je viens de dire, parce que j'ai partagé sur Insta forcément, et en TikTok, et du coup, comme je viens de dire, bah, on considérera qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire des Titi, des bébés Titi, en même temps que celui d'Enzo. Donc il sera content. Voilà, il aura eu un beau cadeau. À défaut d'avoir oublié quand je lui ai envoyé un message tout à l'heure. Je lui ai demandé de vider de la vaisselle tantôt. Après, c'est pas de ma faute, hein, je l'ai pas vu. Je l'ai vu. Quand il est descendu, là, je l'avais pas vu encore. Le pire, c'est que, comme je lui ai dit, j'ai bien rappelé à Sam de ne pas oublier ce matin. Voilà. Bref, bon, allez, sur ce, je vais faire ce que j'ai à faire en attendant mes colis, que Georges rentre et recharger ma batterie. Comme ça, après, j'irai tourner le haul et j'aimerais bien coudre un peu. Il faut que je refasse des pochettes pour les titis parce qu'après, avec les bébés, si elle veut se mettre un petit peu à l'écart avec eux de Shadow, bah, au moins, ils auront deux pochettes dans le truc. Mais je vais essayer de faire des avec un bord un peu plus rigide pour qu'elles se détendent plus aussi vite, parce que là elles se détendent quand même assez vite. Bon, une fois que je les ai lavées, elles se retendent un peu, hein, donc ça va. Mais il faut que je fasse laver les autres aussi. Enfin bref, j'ai plein de choses à faire. Donc bah, moi je pense qu'on switch de jour. Ouais. Bon, je vous filme cette partie au téléphone, donc j'espère que le son sera pas trop dégueu. Du coup, j'irai filmer le haul demain parce que là je suis énervée de chez énervée. Je viens de recevoir mes deux commandes Jolie Beauty, donc le livreur avait superposé les deux colis l'un sur l'autre et il m'a fait signer, et en déballant là ce que j'ai vu, donc il manque tous les rouges à lèvres à l'intérieur. Voilà, donc j'avais quand même 4 rouges à lèvres dans cette commande là, hein, dont un pour vous. Donc je viens d'envoyer un mail, on va voir ce qu'ils disent, mais là du coup, j'ai pas du tout envie d'aller filmer. donc je suis pas énervée, voilà. Donc je vais me démaquiller, je vais me rhabiller en tout chaud parce que j'ai tout froid, je vais manger, je fais la vidéo de Phoenixia, et du coup comme j'ai reçu mes colis, je vais attendre Georges et puis j'irai à la sieste, au moins ça me calmera. Voilà, donc je filmerai le haul demain, et puis c'est tout. C'est dégueulasse. Ça a vraiment été arraché pour faire passer les rouges à lèvres, quoi. Heureusement, c'est pas le collier avec le cadeau défi. Parce que là, j'aurais été dégoûtée. Mais bon. Je suis dégoûtée quand même. Voilà. Il y avait 4 rouges à lèvres, dont 3 en promo. Et un qui était pris plein parce qu'il n'était pas en promo et que je voulais absolument. Donc je vais voir ce que Jolie Beauty va me proposer. Parce qu'elle peut sur les bébés. Hein. Ou le bébé, je sais toujours pas comment est-ce qu'il y en a, j'ai pas fait attention. J'espère qu'ils vont me proposer de me les renvoyer. Parce que s'ils me les remboursent, c'est bien. Mais le problème, c'est que je pourrais pas les recommander parce que je vais avoir trop de frais de port si je commande ça, que ça. Et si je veux les frais de port gratuits, j'ai des devoirs de dépenser de votre trop. Donc je vais voir, je vais essayer qu'ils me les renvoient, quoi. Ça va bien. Maintenant, en espérant qu'ils soient corrects. Et qu'ils disent pas que j'ai réceptionné comme ça, quoi. L'autre, il a vraiment superposé les deux colis. Et c'est tout sourire, tout mignon, là. Putain, je l'aurais bouffé. Enfin, maintenant, je le boufferais bien. Il est plus là. Voilà, bref. La petite mésaventure du jour. Bon, allez, sur ce, je vais manger. J'ai faim. Je suis énervée, donc j'ai envie de manger. Mais j'ai faim. Ok, allez. Voilà. Bon, faut que je me tasse un peu pour que vous me voyez parce que l'appareil est plus bas que d'habitude. Il est 11h09, j'ai été filmée ce make-up que vous aurez la semaine prochaine. Je vais vous donner le planning tant que je vous ai là. D'abord, je suis réveillée depuis 4h30, donc j'ai dormi 3h parce que j'ai une crampe au mollet. Voilà, merci. Donc je suis réveillée depuis 4h30, je suis complètement gelée, mais alors gelée de chez gelée, je n'en peux plus. J'ai déjà pas arrêté depuis ce matin, là seulement que je me pose, je viens de finir le montage de cette vidéo, parce que je voulais aller tourner les favoris en même temps que vous aurez, pas la semaine qui vient, la semaine d'après, sauf que là j'en peux plus, je suis trop crevée quoi, donc je suis trop crevée, j'arriverai pas à les filmer. J'attrape mal la tête en plus, et le pire c'est que je vais même pas pouvoir faire de sieste parce que j'attends mon calendrier de l'avant Baléa. Je vous montrerai demain, mais bon, je vous l'ai montré dans le haul, je vous ai montré une photo, et je vous montrerai quand même un petit coup demain. Maintenant, il arrive entre 11h45 et 15h45. Donc soit il vient à 11h45 et je peux aller me coucher après, soit il vient à 15h et je peux aller me coucher avant. Mais comment savoir? Voilà, donc ou alors je me couche un peu dans le canapé, je sais pas, je vais voir. Là j'ai faim déjà, donc je vais manger, je vais rallumer le poêle aussi un peu parce que je suis gelée, mais vraiment gelée, j'en ai marre d'avoir froid. Apparemment ça serait un des symptômes aussi de la fibromyalgie, une intolérance au froid et les pertes de mémoire aussi, donc voilà. Mais il a marqué sur le rapport, parce que j'ai reçu son rapport, que j'avais une grosse intolérance au froid. Parce que je lui ai expliqué que quand je prenais quelque chose qui sortait du frigo, ou du congèle, c'est encore pire, j'ai comme l'impression d'avoir comme des coups de jus dans les mains, dans les bras et tout. Et c'est affreux, ça fait super mal, je sais plus tenir quelque chose de froid en main. Bref. Donc hier j'ai fait une nouvelle pochette pour les titis et du coup pour les changer de pochette je les ai un peu fait sortir et j'ai vu deux petites queues en tire-bouchon dépasser de la poche de Sky. Les bébés sortent de plus en plus quand elles dorment en fait, la journée comme ça, ils dorment pas à l'intérieur, ils dorment sur elles mais pas à l'intérieur de la poche. Et voilà, bon maintenant elle devient un peu plus difficile à manipuler. Ben, surtout que j'ai pas envie de faire mal aux bébés non plus. Ils sont pas sortis ce matin, ils n'ont pas voulu sortir. Hier soir, je leur ai mis des blattes. Je ne sais pas où sont passées les blattes. Je crois que Sky a bouffé les deux. Il me semble qu'à un moment, elle a été la planquée dans la boîte de mouchoirs en papier. Je ne sais pas. Là, de toute façon, je dois faire la cage aujourd'hui. Demain, franchement, je ne sais pas. J'aimerais bien coudre. Ce matin, j'ai fait du rangement. J'ai fait un gros montage que j'avais en retard. J'ai uploadé cette vidéo-là. J'ai coupé tous mes tissus pour mon upcycling et pour des projets que j'ai envie de faire. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Bah, j'ai tourné la vidéo que j'ai déjà montée et que je viens d'uploader. Voilà, j'ai fait pas mal de choses déjà depuis ce matin. Là, ah oui, j'ai démonté la roue des titis parce qu'il faut que je la lave. Ça fait 2 nuits de suite que j'entends des bruits chelous quand je suis couchée le soir. Quelque chose qui claque. Mais je dis, c'est quoi ce bordel? Et chérie, hier, il l'a entendu, donc du coup, il s'est levé pour essayer de voir d'où ça venait. Donc, il descend, puis il dit, oh, ce bébé Luna qui joue dans la cage. Bon, on sait qu'elle fait beaucoup souvent le bordel, hein, donc voilà. Et puis il remonte, puis on entend encore le bruit, là, mais je dis, il faut lui enlever son jouet, là, avec, je sais pas avec quoi elle peut jouer qui fait autant de bruit, il faut lui enlever, parce que c'est stressant, quoi. Déjà, la nuit d'avant, j'avais déjà pas dormi à cause de ce bruit-là. Et puis chéri, il redescend et en fait, il a vu que c'était Shadow dans la roue. En fait, la roue, elle s'est inclinée. On ne sait pas pourquoi, parce qu'elle s'est peut-être dévissée un petit peu. Hein. Elle s'est inclinée et du coup, ça tapait contre les barreaux. Voilà le bruit. Et en plus, la nuit, ils vont bien dedans, de la roue. Donc là, je l'ai démontée et comme ça, je vais pouvoir la laver à fond, parce qu'elle se nettoie pas bien, hein, franchement... Elle est bien parce qu'elle a la bonne taille pour eux, mais elle n'est pas pratique du tout à nettoyer. Il y a des rebords à droite, à gauche. Donc, eux, c'est pas super propre comme truc. Hein. Vous avez déjà vu qu'ils me font pipi et caca dessus dès que je les touche. Donc, ils font pipi et caca dans la roue aussi. Et du coup, comme ils courent dans la roue en plus, ils écrasent les cacas dedans. Donc, voilà, c'est dégueulasse. Et du coup, pour la nettoyer juste avec un chiffon et du détol, c'est juste impossible. Donc là, je vais la frotter à la brosse. Donc, je vais faire ça maintenant. Comme ça, elle sera bien sèche pour ce soir jouer. La journée, ils vont pas dedans, donc c'est pas grave si elle n'y est pas. Parce que je sais pas si j'arriverai à la remettre toute seule. J'ai pas les bras assez longs pour faire le tour de la cage intérieure et extérieure pour la clipser. Enfin, la visser, parce que c'est une vissée. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Ouais, donc, il y a bien 2 petites queues en tire-bouchon qui dépassaient de son bidou hier. Donc, la semaine prochaine, si j'arrive à les manipuler, hein, parce que, voilà, je ne sais pas à partir de quand je saurai les manipuler. Je ne sais pas s'ils vont vraiment sortir après et oser venir sur moi et tout ça. Si Sky viendra encore sur moi une fois qu'ils seront sortis, ça, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. On verra, on ira à son rythme et au rythme des bébés. Hein, je ne vais pas les stresser non plus. Mais si j'y arrive, la semaine prochaine, on fera dans le vlog le gender reveal. Comme ça, on saura ce que c'est. Si c'est des mâles, je crois que je les égouille direct. Moi je rigole, hein. Appelez pas l'aspirateur, je rigole. J'espère que c'est pas de mal. Si on a 1 sur les 2, c'est pas trop grave parce que j'aurai qu'une castration à payer, mais si c'est 2, je pourrais pas payer 2 castrations, c'est juste impossible. Ouais, j'espère quand même que c'est 2 femelles, comme ça je suis tranquille. Ça ne me coûtera rien en plus. Et voilà, en gros ça va rien me coûter. En plus, je crois que je vous l'ai déjà dit, hein. Ça va juste me coûter double ration de nectar, enfin de bouillie là que je refais. Quand ils seront adultes, là, tant qu'ils sont petits, déjà pendant 2 mois, là, ils vont pas manger normalement. Ils vont continuer à téter. Et après, quand ils seront tout petits, je pense que la ration sera suffisante pour eux 4. Et après, je mettrai 2 rations quand ils seront un peu plus grands. Mais bon, la bouffe là, ça me coûte rien. Fruits et légumes, de toute façon, j'en jette tous les jours parce qu'ils mangent pas tout. Et bah, les blattes... Je suis pas sûre que les tout petits arrivent à les manger tout seuls au début. Il faudrait peut-être que je mette des bébés, je sais pas. Et les verres, mais c'est pas ça qui coûte le plus cher. Donc. On verra bien. Bon, je vais déjà vous donner le planning de la semaine prochaine. Comme ça, c'est fait et j'ai pas besoin d'y penser demain. Donc la semaine prochaine, c'est semaine swatch et make-up. Voilà, on commence avec la Berry 42 de Beauty Bay, la Colourpop et Harry Potter de Colourpop. Les 3 palettes Jolie Beauty, donc la Intergalactique, la Sorceress et la Ethereality. Et on finit le samedi avec un full face petit prix et dimanche le vlog. Voilà pour le programme. Donc là, il me reste à tourner les deux swatchs de make-up que j'ai pas fait encore avec les Jolie Beauty. Donc je vais en tourner encore un demain. Je tourne la vidéo qui me manque pour la semaine d'après. Parce que là, j'ai déjà 2 vidéos sur 3. Il me restera le Disney Challenge et le upcycling à tourner. Mais le upcycling, j'ai pas encore cousu les trucs. Bon, ça ira vite, hein. C'est pas des grosses pièces cette fois-ci. Il n'y a pas beaucoup de travaux à faire dessus. Et le Disney Challenge, et après j'attaque les vidéos d'Halloween. Voilà, donc là il y aura 0 spoil, hein. Je vous prendrai que quand je suis pas maquillée. Donc une fois que j'aurai commencé les vidéos d'Halloween, vous allez me voir avec une tête de guenuche tous les vlogs. Voilà, voilà, bon, bah écoutez, sur ce je vais vous laisser là pour aujourd'hui. De toute façon il se passe rien de spécial. Le calendrier je vous le montrerai demain, parce que je sais pas du tout à quelle heure il va arriver. Et que là j'ai qu'une seule envie, c'est de m'emmitoufler quelque part, parce que je suis gelée. Je vais coudre un peu, je vais d'abord faire la roue des titis. Et peut-être laver, non je vais coudre d'abord, je sais pas, je vais manger déjà, j'ai faim. Et je pense que je vais me coucher un peu dans le canapé, parce que 3 heures de dodo c'est vraiment pas assez. Et voilà. Bon, allez, sur ce, on switch de jour. Alors, il est 10h27, avec Sky qui gueule sur les bébés. Je viens de finir de tourner mes 2 vidéos, donc j'ai déjà remis ensuite, hein, parce que je suis gelée, et j'ai mon pilou sur les genoux parce que bah, je suis gelée, je n'en peux plus d'avoir froid, c'est un truc de fou. Alors je voulais enlever mon strass parce qu'il cogne de temps en temps contre mes lunettes du front, sauf que bah, là il est un peu de traviole parce que j'ai dû le recoller, ça avait fait un gros trou dans mon fond de teint, c'était juste affreux. Je me suis dit je vais rester quand même un minimum potable pour vous dire au revoir. La pauvre, les bébés arrêtent pas de l'emmerder, ils bougent, ils bougent, ils bougent, ils bougent tout le temps. Je vais la prendre un peu sur les genoux après pour les calmer. Parce que de temps en temps, quand elle gueule comme ça de trop, ce que je fais, je les prends et je la caresse elle pour qu'elle se calme. Et après, je caresse son ventre pour que le bébé se calme un peu aussi parce qu'ils sont très turbulents. Ça promet. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire avant de clôturer, puisque je vous ai donné le planning déjà. Je viens de commander sur Shein la collection SheGlam Les Noces Funèbres. Je crois que c'est une noce funèbre. Enfin, je sais plus. C'est une collection Tim Burton. J'ai pris le bundle directement parce que elle est, pour une fois qu'ils ressortent depuis la collection des palettes astrologie, je n'ai pas trouvé une collection qui m'intéressait. Je n'ai rien recommandé en collection SheGlam. Là, je suis pas une grande fan de. J'ai jamais vu ce dessin animé là. Je suis une fan des films Tim Burton, surtout quand il y a Johnny Depp dedans, mais pas de ce genre de truc quoi. Mais la collection est vraiment très jolie. Donc j'ai pris le bundle. Voilà, il n'y a qu'un rouge à lèvres rouge dedans que je mettrai de côté pour vous parce que moi ça ne m'intéresse pas. Donc on crash testera ça en vidéo bah, dès que je le reçois. Je filme, je poste. Pour une fois que j'achète une nouveauté, dès que ça sort, j'espère que ça me fera un petit peu des vues parce qu'il faut que je remonte un peu mes vues. C'est perturbant, hein, les entendre gueuler comme ça. Alors, je viens de dire aux filles, j'ai allumé exprès le PC portable pour avoir iGraal parce que sur le Mac, il faut que j'aille sur iGraal, que j'active, que je me reconnecte et tout. C'est un vrai bordel, tandis que sur le PC, il s'active tout. Enfin, il met le truc comme quoi je peux l'activer tout de suite. Et le coffret, le bundle était à 38,99 €. Donc j'avais mon panier prêt sur mon Mac, que je voyais les tarifs. Je passe pour le faire par iGraal sur le PC et il est passé à 43,99 €. Je dis, oui, ce bordel. Je dis, tiens, il est plus cher sur Windows que sur Safari. Enfin, sur Mac, c'est quand même bizarre. Donc, du coup, j'active iGraal sur le Mac et là, boum, le prix change aussi. Mais en fait, tout ce qu'il y avait dans mon panier, tout a augmenté. Donc, c'est bien beau d'avoir un cashback. Si ça augmente les prix, vous n'y gagnez pas grand-chose. Donc, du coup, j'ai pas activé le cashback et j'ai commandé avec mon bout de 15% qui passe en boucle tant que je l'ai. Donc, écoutez, tant qu'il passe, je le mets. Et voilà. Donc, livraison entre le 10 et le 13. Ça tombe bien puisque, bon, la semaine prochaine, vous avez une vidéo tous les jours. Donc, j'aurais pas pu la caser. Sauf le samedi, que j'aurais pu déplacer la vidéo. La semaine prochaine, les vidéos sont déjà tournées, mais je peux les décaler sans aucun souci. Donc, le jour où je la reçois, je la poste. Voilà. Je filme et je poste. C'est un truc que ça fait très longtemps que j'ai pas fait vu que je ne surfe plus trop sur la vague des nouveautés, mais là voilà, ça me transporte bien, j'ai très envie de la tester et de vous en faire profiter aussi et au passage essayer d'avoir un peu plus de vues. Donc voilà pour ça. J'ai reçu hier mon calendrier de l'avant Baléa, donc je vais vous le montrer. Il est énorme. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une poignée. Donc il est gigantesque, mais il est trop beau. Voilà. Donc là, vous avez toutes les cases et à l'arrière, c'est juste l'image. Donc c'est très beau. Ah bah, je vous avais montré l'arrière. Je pense d'ailleurs que je vais couper juste au niveau de l'écriture et de le garder pour le mettre en déco à Noël. Parce que je trouve ça très beau. Vous voyez, si je le coupe comme ça, c'est sympa. Même encore à la limite, si je coupe sur les côtés, parce qu'ici il y a des inscriptions. Mais si je garde cette partie-là, je trouve ça joli. Voilà. Donc ça, je suis bien contente. Aujourd'hui, chérie, après son boulot, va chercher le canapé chez son frère. Donc on aura enfin un nouveau canapé. Alors c'est pas un neuf, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est de la récup. Mais en meilleur état que celui-ci. Parce que celui-ci, il y a des trous dedans. Hein, on l'avait déjà récupéré, un petit peu abîmé. Et on l'a encore plus abîmé avec nous, nous quatre, plus le chien, vous voyez. Donc là, il faut que je fasse tourner les plaids pour pouvoir les mettre sur le canapé, parce que je ne sais pas si les housses iront dessus, mais de toute façon, je ne sais pas les enlever, les housses. Donc, je ne sais pas les laver tant que chérie les a pas enlevées. Voilà. Hier, on a été... Hier, on va chez Leclerc après le boulot de chérie, parce qu'il fallait absolument de la poulette pour le chien, il n'en avait plus, et il me fallait des cafés au lait. Parce que j'en avais plus non plus. Alors, hier, c'était pas ma journée, mais alors en plus, sans café... Et on est sorti de là, on en avait pour 110 € et pas de poulette. Parce qu'elle n'en avait plus. Voilà. Mais on en avait pour 110 €. Et en plus, il n'y avait pas mes bonbons. Il faut que chérie m'emmène chez Action en chercher un stock. Mais j'ai trouvé deux choses pour Halloween. J'ai trouvé ce petit fantôme qui s'allume. Bon, je vais vous l'allumer quand même. Il y a toute la protection. Au pire, je remettrai des piles avant de le mettre dans le fond d'Halloween. C'est l'humain rouge, enfin rouge orangé comme ça. Ah non, c'est rouge, c'est rouge. Ah, il change de couleur. Ah, j'avais pas vu. Oh, il est chouette. Donc voilà, il ira dans mon fond, même si je l'allume pas, hein, si la pile se décharge, ça fait toujours une petite déco pour changer, parce que ça fait quand même 3 ans que j'utilise le même fond d'Halloween, donc enfin les mêmes décos d'Halloween, c'est pas le même fond puisque je change mon fond régulièrement. Mais... Et comme j'avais essayé de faire la couronne de fleurs là avec celui que j'avais eu sur AliExpress, que ça n'allait pas parce que ça faisait trop gros, j'en ai trouvé un autre, et je suis bien contente parce qu'il est très beau. Donc la petite loupiote, elle était à 3 € et le serre-tête comme ça, il était à 3,50 €. Donc c'est des roses noires avec des petites têtes de mort qui dépassent. Bon, on les voit pas trop, donc ça rentrera dans le thème. Dites-moi si vous avez deviné le thème. Mais voilà, ça ira très bien pour le make-up que je veux faire. Donc je suis contente. Donc voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois. Je réflecte, mais ouais, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Là, je dois reprendre la jupe que j'ai faite hier parce qu'elle est trop large. Il faut vraiment que j'arrête de prendre mes mesures plus larges que je ne le suis. Donc, je vais faire ça. Ah, je fais les chouchous. J'ai plein de choses à faire. Hein. Ma to-do list est remplie. Faut que je nettoie la cage des titis parce que je ne l'ai pas fait hier. Faut que je lave les plaids. Que j'oublie pas ma vitamine D. J'aimerais bien refaire ma colo pour les sourcils et mon recourbement de cils aussi, mais ça sera certainement ce soir en jouant. Et puis voilà, donc je pense qu'on est déjà pas mal. Là la priorité c'est de laver les plaids. Là je vais coudre un peu, je pense que la cage des titis je la ferai ce soir tranquille, limite quand ils sont dehors. Ils sortent un peu tard quand même. Là, je vais essayer de calmer un peu Sky parce que il l'énerve vraiment. C'est déjà des petits chiens, ils sont même pas encore dehors et c'est déjà des petits chiens. Mais parce qu'ils retournent encore dans la poche. Ils sortent, mais ils retournent dans la poche régulièrement. Et je pense que c'est ça qu'elle en a marre. Je crois qu'elle aimerait bien qu'ils restent dehors, quoi. Voilà. Bon, ben sur ce, je vais clôturer ce vlog. Il est déjà relativement long. Là, je vais faire le montage tout de suite, comme ça il a le temps de s'enregistrer et j'ai le temps de le mettre à uploader. Tant que je fais autre chose, je ne sais pas quoi, sûrement me démaquiller parce que j'aime beaucoup ce make-up. Mais bon, avec les... de toute façon, il faut que j'enlève les strass hein, parce que ça me. Ah, j'ai commandé des piercings ce matin. J'ai commandé ces 4 anneaux. Donc, je vais changer mes 2 tragus parce que ceux-ci ils n'arrêtent pas de tourner et ça m'énerve au plus haut point. Et je vais changer la lune ici. Je l'aime beaucoup, mais le problème, c'est que comme c'est une lune, c'est pointu. Et quand je dors, des fois, la pointe se pique dans mon oreille. Alors, ça me fait mal. Donc, je vais mettre un des anneaux aussi. De toute façon, j'ai assez de strass de ce côté-ci. Ils sont très beaux, mais je vous les montrerai la semaine prochaine. Là. Je les ai demain. J'ai commandé sur Amazon. Et je demanderai à Chérie de me les changer demain. Quoique, c'est pas avissé. Donc, je pense que j'arriverai même à les changer moi-même. Ils étaient à 5,99 je crois les 4. Donc voilà. Et apparemment c'est de la bonne qualité d'après le seul commentaire qu'il y a. On verra bien, si je vois qu'ils commencent à noircir, je reprendrai des autres plus chers en acier inoxydable ou des choses comme ça, ou voire aller acheter directement à la boutique. Mais je pense que la boutique elle les achète soit sur AliExpress, soit sur Amazon et qu'elle les revend à 20 balles pièce quoi, alors qu'elle en achète 100 pour 20 balles. Vous voyez, après c'est normal, faut qu'elle fasse son beurre aussi. Bref. Bon, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de répondre à toutes mes questions que je vous pose à chaque fois en vlog, mais après j'oublie, donc vous me mettez vos réponses, mais je ne sais plus ce que je vous ai demandé de base. On se retrouve toute la semaine prochaine à 15h, à 17h30 avec tous les swatchs and make-up, sauf le samedi où c'est un full face petit prix et le dimanche le vlog. Voilà, mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, swatch and make-up. Voilà. Allez, sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire. Bisous, bisous.